Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez la Foire Fouille pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Donc on est là pour découvrir les nouveautés. Si vous fêtez Halloween, sachez que tout est déjà en rayon chez eux. Et on a aussi tout ce qui est Toussaint. Voilà, tout ce qui est Toussaint, on peut regarder. Alors, il y a tous les prix. On a des petites choses. Waouh, ça pèse 10 tonnes par contre. Ça coûte 10 euros la petite compo. On a les petites jardinières à 25 euros. Celles-là, elles sont à 15. Celles qui montent un petit peu en cône sont à 25. Donc 15 euros ici aussi. Ces modèles sont à 20 euros. Ceux-là aussi sont... Ouh là là, vous voyez comme c'est lourd, j'ai même pas réussi à le tenir. Ça aussi, c'est 20 euros. On l'a aussi dans cette couleur qui est pas mal. Et on a des petites choses comme ça dans des pots en ciment à 13 euros. Là aussi, vous trouverez différentes couleurs. Voilà, je vous donne l'info parce qu'après, c'est vrai que plus on avance et plus c'est galère à trouver. Bon, il y en a partout, hein, mais au fur et à mesure que je vois quelque chose, je vous le montre. Et c'est parti pour découvrir le reste du rayon. Tiens, on peut commencer par cet espace. Vous vous rappelez, hein, la Foire Fouille, c'est des espaces déco. Donc, on peut commencer ici. J'ai vu cette jolie lampe là à 35 euros. Belle lampe de 52 cm de hauteur avec le pied transparent. Ça, c'est une petite armoire... à bijoux, et elle est à combien? Attendez, je me recule. 60 euros. 1,45 m de haut, on a un miroir hein, de l'autre côté. On a ce joli miroir à 30 euros. Celui-là, il fait 70 de hauteur. Oh, celui-là, il est sympa comme tout aussi, j'adore. Il est carré, mais forme arrondie. On est très dans l'arrondi maintenant. Il est à 50 euros. Il fait 77 par 57. Et regardez la table à côté. J'ai pas le prix de la table. Elle est à 70 euros. Elle est super belle. Bon, ils ont posé des trucs dessus. C'est une table en métal. C'est vraiment canon. Hein. La déco murale avec la petite fleur séchée, c'est une espèce de coque. Ça, ça coûte 25 euros. Et là, si on a envie de poser une grande déco comme ça, hein, qui fait presque un mètre de hauteur, elle est à 40 euros. Ok? Les petits boudins de porte en jute, ça coûte 9 euros. Et mon œil a été attiré par cette belle horloge là qui est à 50 euros. Belle horloge qui fait combien de diamètre? 53, non 43 de diamètre. Le petit miroir à côté en bois foncé, il est à 35 euros aussi. Et on a cette horloge à 20 euros qui est canon, j'adore. Allez, je continue dans la zone arrivage. Ils ont rentré de la vaisselle. Alors, rouge, grenat, sympa, ça va, ça change. 3,50 pour celle-ci. On a l'assiette à dessert à 3 euros. Les bols à 3 euros. Grand mug 2. Et petite tasse 1,50. Apparemment, vous pourrez le trouver aussi dans d'autres couleurs. Hein. Je vois que c'est exposé ici. Et j'ai trouvé une autre collection. Alors, j'ai pas le prix de l'assiette. Celle-là, bah, on la voit mieux ici. Bon, elle est torsadée. Vous l'avez en assiette à dessert comme ça à 3 euros. Et on a l'assiette creuse à 3,80. J'aime bien, moi, perso. Après, on a des beaucoup de conservation en 1 litre à 3,50. En 0,7 à 3 euros. Ce que vous voyez là, c'est un arrivage de table de chevet à 35 euros. De la marque Atmosphère, hein, comme ceci. 45 par 30 et 67 cm de hauteur avec un seul tiroir. Normalement, c'était 60, ça passe à 35, ce qui est pas mal. Oh là là là, j'ai vu un truc trop beau. Ils sont en train d'installer. C'est des coussins damier, mais c'est trop beau. Ça fait, en plus, on dirait de la laine. C'est pas de la laine, hein. Quoique. Je sais pas, il est en autre couleur. Désolé, j'ai une échelle au milieu. C'est une zone de travail. Ah, il n'y a pas le prix, c'est dommage. Tiens, j'aurais bien voulu connaître le prix. Là, si vous aimez les pommes, ben voilà, j'ai une déco pomme bois pour vous à 9 euros. 28 cm de hauteur. Ici, c'est genre un peu vintage, hein, vous voyez, ils ont fait des espaces. C'est très très inspirant, j'aime beaucoup ce qu'ils font hein, en ce moment. Ils ont la fiche cadre là comme ça à 12 euros. La petite plante, elle est à 12. On a un tabouret à 50. Après, les prix, les jolis, on peut en discuter. Dans tous les cas, de toute façon, on sera forcément jamais vraiment d'accord, puisque chacun a son budget, ça depuis la nuit des temps. Mais il faut reconnaître quand même que si vous recherchez quelque chose de spécifique pour votre intérieur, on a quand même du choix. Voilà, donc après, le prix, bien sûr, ça compte, mais c'est en secondaire, quoi. On a, bon, la poire, hein, la poire en bois, elle est à 9 euros. Regardez ces pots, comme ils sont sympas.
sont à 9 euros. Ça, c'est le guéridon de tout à l'heure, en couleur vert comme ça. Donc, il était à 70. Hein. Là, on est une jolie jarre comme ça à 50 euros. Un coussin à 9 euros. D'ailleurs, les coussins, globalement, je trouve qu'ils sont pas très chers par rapport à ce qu'ils proposent. Voilà, si je compare à d'autres enseignes, là, on a des coussins qui sont très sympas pour moins de 10 euros. Et là, on a un maxi miroir comme ça, canage. Il fait 1,07. Il est à 60 euros. Voilà. J'ai trouvé cette petite table aussi que je trouve trop mignonne. Elle est à 20 euros. Avec les boules au centre. Là, ils sont en train de dresser Noël. Donc, les jolis, vous restez connectés. Hein. Du coup, ils enlèvent des choses et ils en remettent d'autres. Là, on a un joli pêle-mêle aussi à 25 euros. Ça, je vous les ai déjà montrés la dernière fois. C'est pour ça, quand je passe comme ça, c'est souvent que je vous ai déjà montré. C'est pas que je veux pas m'arrêter. C'est que j'essaye de pas radoter. Et on a un petit ours mignon à 7 euros. Après, c'est vite parce qu'ils sont en train de tout refaire. Moi, comme d'hab, j'arrive jamais au bon moment. Là, on a une promo sur les horloges. Elles sont à 8 euros. Au lieu de 10 euros. Ça, je voulais vous montrer l'autre fois, mais elles sont encore en promo. Alors, je vais vous le redire parce que franchement, je trouve que le prix est bien. Elles sont à 9,99 au lieu de 20 euros. Elles font presque 1 mètre. Elles font 88 cm de longueur. C'est des grandes planches. Bon, après, il faut avoir la place. Hein, mais quand on fait, je sais pas, des grandes tablées, ça peut être chouette. Les poubelles, là, elles sont à 8 euros. Poubelles Amazon avec... Donc le couvercle en bambou, vous l'avez en blanc aussi, c'est des 3 litres. On a ces pommeaux de douche avec les petites pierres, ils sont à 4 euros les pommeaux. La pelle et balayette, 1 euro le kit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vois qu'il y a des promos. Bon, on a les casiers bouteilles, ça c'est 10 euros pour mettre 12 bouteilles en polystyrène. On a les cintres bois à 4 euros les 8 en 5-5. On a des paniers anti-vibration, des tapis pardon, anti-vibration. Pour mettre sous la machine, ils font 60 par 60. Ah ouais. Ils sont à 10 euros. Je suis désolée si à la fin ça part un peu en freestyle, hein, mais c'est exposé comme ça, donc je vous montre ce que j'ai devant moi. Ces poubelles là que vous voyez en 30 litres, elle est en gris aussi là-bas, elle est à 30 euros au lieu de 40 euros. C'est une 30 litres de contenance. Bon, elle a l'air bien. On a le seau amovible à l'intérieur et c'est avec une pédale. On a une promo sur l'eau déminéralisée, alors je sais pas combien ça coûte, j'en achète pas. Normalement, a priori, c'est 2 euros, là ça passe à 1,50€ les 5 litres. Et ils ont même un espace nourriture, tiens, je savais pas. Alors les grandes boîtes là de Haribo, c'est 8 euros. J'en consomme pas, donc c'est pareil. Allez, est-ce qu'il y a mon prénom là-dedans? Généralement, il n'y est pas. Toblerone. Personnalisé, ça coûte 7 euros la barre. On a Camille, Sébastien, David, Juliette, Benjamin... Gabriel, Léo, Louis, bon, il y a Bonne Fête aussi, sinon, Laurence, Clémence, Mélanie. Et ça coûte 7 euros quand même, bon, pourquoi pas. Si vous avez moins 50% sur les KitKat, tiens, c'est 1,05 au lieu de 2 et quelques. On a pareil pour les Lions. Les Crunch aussi sont à 42% de remise. Après, voilà, vous trouverez des biscuits. Hein. Les biscuits, c'est 1,50, 2 euros le paquet. Ils ont même des chips artisanales, cuites au chaudron. Celles de l'île de Ré, 1 euro les 40 grammes. Vous avez les mêmes au piment. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous. Bye les jolies.